Ta haver gi kimmen se furen, a her on a sent on a sprach, beide in dieselbe juren, genimen sich sim selben fach. Der Schicksal hat ins du getrieben, sie klappen geseder in dir. Ich bin a Kapzen verblieben, in er is geworden a Gewehr. Einem gelingt es dem anderen nit, vor einem ist schlecht, vor dem zweiten ist git. Zusammen gepluckt sich getrugen die Päck, ich bin auf Zures in ihm is a weg. Jeder von uns hat dieselbe Minit, einem gelingt es dem anderen nit. Ich hab versichert vom Feier, mit Juren zurück mein Warstadt, gemacht sich ein eigenes Reife, gemeins wird dadurch geh mir glatt. Es ist gelingen, mein Landsmann, die Sachen, nur hab ich es euch probiert. Er fleckt viel Geld von dem Machen, in mich hat man arrestiert. Weil einem gelingt es dem anderen nit, vor einem ist schlecht, vor dem zweiten ist git. Mein Chaver fürs Reife, sie geworden a Gewehr, in mir bin geblieben, mehr Katzen mit dir. Bonsoir. Bienvenue dans l'atelier de Jean-Claude Darbert. L'atelier d'Empoigné ouvre ses portes pour la dernière soirée. Après, on va les refermer définitivement, on va dire. Cette pièce se situe juste après la guerre, dans les années 45 jusqu'à 50-56. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes un bon spectacle. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones. Merci. Alors. Madame.
Madame Gisèle, Madame Simone pour les finitions. Bonjour Madame Hélène. Bonjour Madame Hélène. Madame Laurence, Madame Simone pour les finitions. Simone pour les finitions. Mais vous allez mes bordiers un jour. Vous allez bien aujourd'hui, Madame Gisèle? Moi? Non, pourquoi? Comme je vous entends chantonner. Moi, j'ai pas le cœur à ça, Madame Hélène. Surtout ces temps-ci, avec tous ces malheurs. Vous faisiez le beau. Ça se voit. Vous faites de jolis petits points. Hélène! Oh! Hélène! Oh! Ah, si ça, le train des matins, moi je rentre. Il y a trop de gaz, hein? Il est toujours comme ça. Monsieur Léon, vous l'avez pas encore vu? On vous laisse la surprise. Ce sera répété. Quoi? Ce sera répété. Quoi? Ce que vous avez dit, monsieur Léon, je répéterai. Ça va pas? Elle est ma boule, cette poule! Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça vous amuse, vous? C'est ça, c'est ta voix! Quoi, ça t'amuse? Tu te fous de ma gueule, alors? Le malheur des gens, ça a toujours fait rire, les imbéciles. Eh ben, faut rire, ça remplace la viande. La gorge. Merci. Merci. Pectoric, cachou, bonbon, calme la toux, parfume et rafraîchit la laine. On voit les femmes comme des enfants. Combien? Deux. C'est du boulot, hein. Pourquoi t'en offres jamais des bonbons? Toi aussi, t'es mère de famille, non? J'en donne même pas à mes propres gosses, tu voudrais quand même pas que j'en achète exprès pour toi? Bah si, ça me ferait plaisir. Donc j'avais rien. Vous feriez mieux de nous abstenir aujourd'hui. Reposez-vous donc un peu l'organe pour une fois. C'est pour vous, hein. Bien sûr, si vous pensez ce que vous avez à nous dire est important, quand même, une journée calme ne se... Mais ça ne vous ferait rien de nous échapper d'espace vital! Ma chère! Et quoi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a sa fuite plutôt que d'habitude, hein. Pour un plombier, pour lui boucher ça! Vache. Oui, ben c'est ça. Ça veut pas dire qu'elle est grosse. Elle sait. Hier, on a été au gage ensemble. J'ai ôté mes souliers pour danser. À la fin, je les ai pas retrouvés. T'as perdu tes chaussures? Oui, ben on les a fauchées, oui. On enlève ses chaussures maintenant pour danser. Le swing, oui. Pour danser le swing. Alors, gentiment, deux amernottes nous ont proposé de nous raccompagner. Il y en avait un qui me portait pour pas que je lisse mes petits petons. Puis à un moment, je sais pas ce qu'ils ont baragouiné. Il y en a un qui m'a demandé quelque chose. Alors ben, j'ai pas compris exactement quoi. J'ai fait oui avec la tête. Ma copine aussi. Et alors là, le type m'a laissé tomber sans me prévenir en plein dans le caniveau. Alors Guette et les deux amernottes se sont mis à se marrer, on s'est engueulés. J'étais toute mouillée. Ce matin, je me suis réveillée comme ça. Je pouvais plus parler du tout. Elles montent tout le monde contre moi. Oh, on n'a même rien dit sur vous, rien du tout.
avec la tête. I don't understand. Mais ils étaient sous quoi? T'es revenue toute mouillée pieds nus alors? Eh, ma jupe me collait partout. Elle a rétréci. Elle reste à nous prise cette putain de fibrage. Oh, mais comment on peut aller danser comme ça tous les soirs, hein? J'y vais pas tous les soirs. J'y étais hier. Vous aussi, vous allez danser? Elle a dit qu'elle avait des enfants. Bah, c'est interdit d'aller danser quand on a des enfants. On peut même aller danser avec son mari. Non. Danser, je ne vais pas danser. Là. Et avant, vous y alliez? De temps en temps, oui. C'est votre mari qui aime pas ça? Il n'est pas là. Il est déporté. Ah bon, quand j'y pense, quel salaud ta Merloc! Eh, c'est peut-être l'ami qui m'a piqué mes godasses. Bien fait, t'avais qu'à pas les enlever. Parce que t'allais danser, toi? Bah bien sûr. Sans blague. Bah quand j'étais jeunette. Parce que t'as été jeunette, toi. Bah sans blague. Bah en tout cas, j'ai jamais dansé avec des troufions, moi. Bah pourquoi pas, si c'est pas des poches? N'empêche que les poches, il y a des choses qu'ils faisaient pas. Je m'excuse. Enfin, je veux dire que... Bah, les Américains, parfois... Bah vas-y, accouche. Crache, dis-nous tout. Qu'est-ce que vous vouliez dire au juste, Madame Gisèle? Rien. Rien. Vous aimiez mieux les Allemands que les Américains? J'ai pas dit ça, hein? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est le plan de la tenue, bien entendu. Bon, alors oui, peut-être. Par contre, c'est pareil, c'est comme dans tout, hein. Bah, tu veux qu'on leur demande de revenir? Ils te manquent, effrisés. C'est que les Américains, tant qu'ils n'étaient pas là, on priait pour qu'ils arrivent. Maintenant qu'ils sont là, on prierait pour qu'ils repartent. Bon, parlez pour vous. Moi, je ne gêne pas. Quand ils me piquent mes godasses, c'est qu'ils me foutent à l'eau. Oh, moi, je trouve qu'ils me piquent un peu. Il y en a un qui vous a manqué un peu de respect, Madame Laurent. Madame Simone, s'il vous plaît. Non, venez avec. Vous avez déjà discuté argent? Faut pas vous laisser faire, hein. Méfiez-vous, il a un peu les mains en pince de crabe. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand? Vous avez parlé de crabe? J'ai dit qu'il avait les mains en pince de crabe. Je ne comprends pas. Bon, en tout cas, il est bien brave. Ça n'empêche pas. Elle aussi, hein? Quoi? Elle aussi. Bah, elle aussi quoi? Bon, bah, t'es pas folle! Je les reconnais. C'est bien ça que je les reconnais. Je crois pas, moi. En tout cas, elle est bien brave. Oh là là, tout le monde est bien brave avec elle, Fatin. Elle me plaît bien, c'est tout. Enfin, moi aussi, elle me plaît bien. N'empêche qu'elle aussi. Elle a un drôle de rire. Bah, la pauvre, elle a pas dû avoir l'occasion de rire ces derniers temps. Avec tous ses malheurs. Oh, on a tous des malheurs. Moi, j'ai bien perdu mes godasses. C'est pas une baleine. Et toi, là, qui lui demande si son mari aime la danse? Bah, est-ce que je savais, moi? Il y a des choses qu'on sent, hein. J'ai plus de boulot. Va en chercher. C'est pas à moi de le faire. Tu préfères perdre une pièce plutôt que de boucher ton cul? Si je le fais une fois, après, faudra que j'y aille toujours, alors. Mais pourquoi j'ai plus de boulot? Alors? Ça va, je crois que ça va. Vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous vous êtes bien entendu avec lui? Oui, enfin, normal, quoi. Faut pas vous inquiéter, hein. Il y a du travail toute l'année, ici. Partout, il y a du travail, ces temps-ci. Bah justement, raison de plus, ici aussi. Comment vous l'avez trouvé, notre singe? Normal. Enfin, normal. Bah, faites des points plus grands, maintenant, hein. Si vous voulez vous en tirer. Faut allonger un peu, hein, si vous voulez. Vous êtes toujours de bons conseils, mademoiselle Mimi. Madame... Ah, bonjour, madame Irène. Je vous avais pas entendu entrer. Madame vous met en bois pour le travail, gardez donc vos caoutchoucs pour le dimanche. Alors, tu leur as dit? Non, j'arrive. Qu'est-ce que t'attends, alors? Je viens pour leur dire, j'arrive, je te dis. Bah, qu'est-ce qui se passe, monsieur Léon? Elle va vous dire. Elle va vous dire. Si t'es déjà là, dis-leur, toi. Si je te dis de leur dire, c'est pas pour que tu me dises, toi, de leur dire. On n'a pas reçu le tissu qu'on devait nous livrer. Alors, monsieur Léon n'a pas pu couper. Les mécaniciens rentrent chez eux. Enfin, vous finissez ce que vous êtes en train de faire et vous rentrez. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, qu'est-ce que je vais faire, moi, cet après-midi, hein? Bah, tu vas rentrer à la maison voir ton petit homme. Ah bah, si tu crois que c'est drôle. Non, non, mais t'as vu? Il n'a pas reçu son tissu. C'est nous qui restons en carafe. Il s'en fout, lui, il s'en vient pour rien. Je traverse tout Paris, moi. Rentrez chez vous, c'est organisé. Ça fait peur.
papier. Je voudrais t'y voir, tiens. Ben, ça passe pas? Elle a le trou du cou étroit. Oh, je t'en prie, hein. Quoi, on peut plus rire? Pas tout le temps. Pas avec toi, ça fait une moyenne. Allez, n'y pense plus. N'y pense plus, j'ai mal à la tête, je te dis. Ben, chante-nous quelque chose, ça te changera les idées. T'es vache, merde. Allez, pour moi, ma grosse boule. J'ai pas envie de chanter. Elle aime se faire prier. Pas chanter, vous. Oh, si j'avais votre peau. Oh, ça va, hein, la pommade. Bon, allez, vas-y. J'ai de grandes plantes dans mon étable. J'ai de grandes plantes dans mon étable. Si j'avais de grands bœufs, je serais pas là. Les boucheries vont être fermées 3 jours par semaine, hein. 3 jours. Pas pour tout le monde. Quand c'est fermé par devant, ça travaille par derrière. Par devant, par derrière. Tristement comme toujours. Sans chichi, sans manière. Elle a connu l'amour. C'est vrai, il y en a qui mangent jamais de rien. Il y a, mais il n'y a pas pour tout le monde. On se demande comment ils font. Mais vous pouvez pas parler d'autre chose. Je voudrais t'y voir, tiens. C'est pas pareil pour moi. T'as pas d'enfant, toi. Et alors? Madame Laurence non plus. Vivi non plus. Facile quand on est jeune, va. Moins de pain qu'en 43. Il n'est pas bon, leur pain. Ah, il n'y a pas à dire. Ils sont forts en ravitaillement, mais pour le reste... Il n'était pas bon non plus pendant la guerre. Oui, mais au moins, c'était la guerre. Qu'est-ce que je pourrais faire samedi qui soit bon et qui bourre? Des houppettes de cheval. Allons. Allons. Bah quoi? C'est bon et ça bourre. On sera 8. Mon mari a fait... Bon, prenez-en 2 paires. C'est vrai que vous, avec votre mari... Quoi, mon mari? C'est un travailleur de force, non? Il a les mêmes droits que tout le monde. Les mêmes droits. Qu'est-ce qui se passe là? Vous lâchez vos nous, y'a rien. Pas de bonheur.
Même le fil casse tout le temps. Eh ben moi, c'est pas ça qui va me couper l'appétit. Bien chaud, bien parisien. Hein. À l'autre. Ben moi, je mange en bas. Bah dites donc. Jamais parlé.
avoir peur, j'osais pas descendre à ma station. Il y avait du monde dans ce métro. Pas trop, heureusement, dis donc. Qu'est-ce qui pouvait te faire? Un gosse dans le dos à travers ton manteau. T'es bonne, toi. J'aurais voulu t'y voir. Bah, pas de danger. C'est elle qui leur colle au train et c'est eux qui se débitent pour pouvoir se retrouver fistère. Vous savez, on peut rencontrer des gens bien. On dit à tout le monde que c'est au bal, mais c'est pas vrai, c'est dans l'autobus, à force de prendre le même tous les jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit à un agent qu'il y avait un type qui me suivait. Après, c'est l'agent qui t'a fait chier. Ils sont pas comme ça. Ouais, bah moi, pardon. D'un flic, j'aurais les jetons. D'un bonhomme qui me parle de mes yeux, non. Ils sont pas comme ça, ils rendent service. Oh, on lui dira. Eh ben c'est comme dans tout, il doit y avoir du bon et du mauvais. Exactement. Ceux qui sont venus en 42, ils étaient plutôt du genre serviable. Il y en a un qui a insisté pour me porter mon baluchon jusqu'au commissariat. Vous arrêtez? C'est pas moi qui le voulais. C'était mon mari. Et comme il n'était pas là, il m'a emmené à sa place avec les gosses au commissariat. Juste sous la mairie du 10e. Là, le commissaire, très gentil aussi, a regardé mes papiers. Il m'a dit de rentrer à la maison, qu'on n'arrêtait pas les Français. Ils n'avaient pas d'ordre pour ça. Votre mari, lui, n'était pas français. Bah, dis donc, ma poulette, je veux dire que t'as eu chaud aux plumes. Alors j'ai repris vite fait mon petit baluchon, les deux mômes. Seulement, le grand voulait pas partir comme ça. Il était pas content. Il n'y a personne pour porter le paquet de maman. Il criait. On nous fait venir pour rien. Je l'ai tiré par le bras. J'ai bien cru que je le lui arrachais. On est rentré en courant. Oh, pauvre mignon. En rentrant, il n'y a qu'une chose que je n'ai pas retrouvée. C'est une grosse montre Bousset que mon mari tenait de son père, qui était toujours posée sur le buffet de la cuisine. C'est l'une des chaussettes à clous qui t'a choisi. Ça m'a étonnée, parce qu'ils étaient plutôt du genre bien, serviable et tout. C'est pas comme ceux qui sont venus après et qui ont pris mon mari. Ils ont défoncé la porte à coups de pied. Bah pourquoi ils ont fait ça? Ils ont frappé, on n'a pas ouvert. Alors le gérant dit que c'est à moi de refaire faire la porte. Je l'ai déjà fait réparer. Forcément, on voit encore la trace. C'est pas comme une porte neuve. Pareil que ça choque dans l'escalier. Ferait mieux de refaire faire les peintures, oui. Ça s'écaille de partout. Enfin. Mais le type, alors? Quel type? Ben le type, comment il était? Type? Un jeune? Normal? Fallait lui dire que vous aviez des enfants, que vous étiez pressés. Il y a toujours un moyen de leur montrer. J'ai fait que ça, je lui ai dit, j'ai deux grands-enfants. J'adore les enfants qui me répondent. Oh merde alors! Tout dépend du ton. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout dépend du ton. J'ai rien fait de mal, vous savez. Elle est esquissée, c'est tout rond. C'est curieux. Ça ne m'arrive jamais à moi, ça. Riez, riez. Ils savent tout de suite à qui ils ont affaire. Quelque lui dire qu'il perdait son temps. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Personne ne vous accuse, voyons. Ah, t'énerve à la fin. Il faut jamais leur répondre. Jamais. Faut insulter, je te dis. Insulter. Ah.
pas venu de la journée? Qui? Faut lui dire de venir à des heures régulières. Soit le matin, soit l'après-midi. Qu'on sache qu'on peut compter sur lui. Dis-lui, toi. Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que ça veut dire, dis-lui, toi? Si t'as des choses à lui dire, tu lui dis, après c'est tout, quoi. Il repasse pas bien. Il travaille mal. J'aurais pas dû le prendre. Je peux pas le regarder. Ne regarde pas. Parle sans le regarder. Bon, ça va. Ça va. Je lui dirai. Je lui dirai. Déporté, il ne doit pas travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas le regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme comme un autre? Oui ou non? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il est fort comme un Turc. Toute la journée, il a un fer de 5 kilos dans les mains. Quand il repasse pas ici, il fait la petite prêche chez Well. Et je suis sûr qu'il a une troisième place pour le soir et une quatrième pour la nuit. La seule chose, je veux qu'il me dise quand il est chez Well et quand il est ici. C'est tout. J'ai rien que des ouvriers comme lui. Voilà ce que je me souhaite. Enfer. Il est enfer. Jamais un mot. Jamais une réflexion. Il sait ce que c'est que le travail, Eva. T'en fais pas. Ceux qui sont revenus là-bas, ils savent. C'est ça, la sélection naturelle, madame. This is Al Tijuana inviting you to dance along with Al.
choisis malheureusement pas les gens avec qui je travaille. Mais quand il s'agit de plaisir... Bon, bah, c'est une question de plaisir. Ça doit pas lui arriver souvent que je choisis. Mais voyons, Madame Laurence, tout le monde vous aime bien ici. Taratata, je sais ce que je sais. Allez, restez pour moi, ça me ferait tellement plaisir. Je vous souhaite bien du bonheur, mon petit, et tout, mais j'ai fini mon travail et j'ai un train à prendre. Qu'est-ce là donc? Si madame est trop fière pour trinquer avec nous. Madame Laurence, on ne profite pas de ces occasions-là pour faire la fête. Bah bien sûr, c'est pas un jour à faire la gueule. Donc il y en aura qui parlent dans mon dos. Pensez donc, allons donc. Elle se fait des idées, c'est terrible. C'est pour moi que vous dites ça? Elle n'a pas parlé de toi, voyons. C'est pour moi que vous dites ça? Qui se sent morveuse? C'est par politesse que je parle en ton dos, figure-toi. Figurez-vous que j'aime pas ça. Et comme on n'a pas gardé les cochons, ce que t'as gardé ou pas? Eh, c'est bon, hein. Serrez-vous la main et qu'on n'en parle plus. Moi, je me serrer la main. Non, mais dites donc, regardez, je suis une femme honnête, moi. Ça, c'est vite dit. Bon, ça y est, c'est parti. Tu veux savoir en face ce que je pense de toi par derrière? Je m'en contrefiche. Figurez-vous, bonsoir. Ah non? Ah non? Cette traître sain, elle sème sa merde, elle fout notre fête en l'air, elle parture la tête. Ne me touchez pas! Mimi, Madame Laurence, tu veux savoir ce qu'on en pense? On en a marre de tes airs, t'entends? On en a marre. Autre chose que t'as intérêt à te mettre dans le crâne, c'est que t'es pas nette, c'est que t'as bourré dans le cul! Qu'est-ce qu'elle dit? Laissez-moi sortir! Pendant qu'on se crève les yeux toute l'année à la lumière électrique, madame est près de la fenêtre par droit divin. Non mais. C'est ma place! Je n'ai aucune raison d'en changer et je n'en changerai pas! Demain, c'est mes fesses à moi, elles seront posées là! Moi aussi, j'ai le droit de faire de l'œil au pipelin une fois de temps en temps, non? Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur Lyon! Monsieur Lyon! Ça y est, ça recommence! Qu'est-ce qui recommence? Elle veut prendre ma place! Pourquoi elle est collée à la fenêtre? Pourquoi c'est pas chacune notre tour? Bah une semaine l'une, une semaine l'autre, ce serait quand même plus normal, non? Vous voyez que s'y mettent toutes! Mais quelle affaire d'être près de la fenêtre ou pas près de la fenêtre? C'est plein de courant d'air, non? Bah justement, on a peur qu'elle prenne mal. On veut pouvoir respirer aussi. On voit rien, monsieur Lyon, dans votre saloperie d'atelier. Vous savez ce que c'est? Alors madame aurait le monopole de la lumière et de la fenêtre au soleil. Et qui parle de soleil? Il n'y a jamais de soleil. Dans 5 minutes, peut-être il va pleuvoir. Pour ouvrir, faut la supplier. Madame a froid. Puis quand on veut fermer, madame est dans ses jours. Elle a ses vapeurs. Merde à la fin! Ouais, et puis elle profite pour regarder dehors et elle ne veut jamais nous raconter. Là, tant pis. Je l'ai dit, hein. Je m'excuse, mais... Je dis d'accord. Pourquoi pas? Je suis pas un chien. Non. On est civilisé. Total, c'est la révolution. Alors si c'est comme ça, plus de fêtes, tout le monde assis, on travaille! On veut un autre éclairage, on veut plus crever les yeux. Puis surtout, on veut plus de favoritisme ici, hein. Ça va bien, ça va comme ça. Puis on veut plus de vos pourritures de tabourets, là, on veut des chaises. Monsieur Léon, elle m'en vole parce que mon mari est fonctionnaire. Voilà la vérité. Dites donc, jalouse. Oui, monsieur Léon, des chaises. Qui parle de votre mari, madame Laurence? Qui? Oui, mon mari est fonctionnaire parfaitement et j'en suis fière. Bon, c'est fini maintenant. C'est fini. Elle s'est fait dans son dos comme ça. Vous en aviez dit bien d'autres que vous n'oseriez pas répéter. Chiche. Ça suffit maintenant. Ça suffit.
du chichi, des tralala. Résultat, on fait rien et on pleure. Restez, faites plaisir au moins à la petite. Non, non et non. Qu'on m'insulte moi, mais qu'on insulte mon mari, non. Personne n'a parlé de votre mari, madame Laurence. On l'a même jamais vu, cet homme-là. Manquerait plus que ça. Il a sauvé les Israélites, mais vous savez. Bien sûr. Et pas comme certains pour de l'argent. Non, non. Il allait même en prévenir. Il a pris des risques, lui. Mais qui pense encore à tout ça, madame Laurence? Qui pense encore à tout ça? Allez. Hélène, et les mécaniciens, qu'est-ce qu'ils font? Ah non, pas le bonhomme. C'est interdit au bonhomme ici. Et moi alors? Ben, vous n'êtes pas un homme, vous êtes un sage. Il veut une banane, Jaco? Et sûr, c'est pas un homme non plus. Bah dans la reine, faut toujours un eunuque. Oh. Alors, c'est ici qu'on saoule, qui régale? C'est Marie qui se marie, alors. Ben, petite fois, c'est parti, on a oublié de le prévenir. La seule baisable où nous la pique. Oh. Il est où ton gigolo, Marie, hein? Thank you.
longtemps. Personne n'attend. Il donne toujours pas d'acte de décès. Une dame m'a raconté qu'on lui a répondu que l'acte de disparition suffisait. Ça dépend pourquoi. Pour toucher une pension, ça suffit pas. Ils nous font toujours remplir nouveaux papiers. On sait même pas à quoi on a droit. Personne ne sait rien. Ils nous jettent d'un bureau à l'autre. À force de faire la queue partout, on finit par se connaître. On se parle. On se raconte. Vous aussi, vous êtes passé par l'hôtel Lutetia. J'étais qu'une fois. Je n'osais pas m'approcher. Il y a une bonne femme qui m'a agrippée par le bras et qui m'a fourré de force sous les yeux une photo genre distribution des prix. Je vois encore le gosse. Il avait l'âge de mon grand, en culotte courte, avec une cravate. Le prix d'excellence. Elle hurlait. Il a toujours le prix d'excellence. Vous ne voulez pas me lâcher? Pourquoi vous pleurez, répétait. Pourquoi vous pleurez? Regardez, regardez. Ils reviennent, ils reviendront tous. Dieu le veut, Dieu le veut. Alors une autre femme lui a crié dessus et s'est mise à la pousser. On a beau dire que pour les enfants c'est sans espoir. Elles sont là, elles viennent, elles parlent. Je l'ai revue plusieurs fois dans les bureaux de plus en plus folles. À la préfecture, j'ai rencontré une Madame Lévy avec un thé. Celle-là, très gentille, une femme bien. Elle n'a vraiment pas eu de chance. Son mari aussi a été pris en 43. Mais lui, il n'était même pas juif. Vous vous rendez compte, il s'appelait Lévy, c'est tout. Elle n'arrête pas de courir. Au début, pendant la guerre, c'était pour prouver qu'il était... innocent. Et maintenant, comme nous, elle court juste pour savoir ce qu'il est devenu, pour essayer de toucher un petit quelque chose. C'est une femme seule, avec 3 enfants. Elle n'a pas de métier. Elle ne sait rien faire. Oui, le plus dur c'est de ne pas savoir, penser qu'il est peut-être quelque part perdu, connaissant même plus son nom, se souvenant ni de moi, ni des gosses, ça arrive, mais ça, je me dis que ça soigne avec du temps. Je sors du marché et je vois un homme de dos avec un cabas à la main. Je sais pas pourquoi, enfin, juste une seconde, j'ai pensé, c'est lui, avec un cabas. C'est drôle, parce que lui-même achetait du pain, il voulait pas y aller. Il allait jamais faire les courses, il aimait pas. Enfin, c'est pour dire que des fois, on pense... quand même, si à la préfecture ils veulent pas donner d'acte de décès, c'est qu'ils ont encore de l'espoir. Non? Voilà. Dernièrement, on m'a réclamé mes fiches de paye d'avant-guerre. J'ai dit que comme j'étais parti avec, j'étais rendu sans. La dame, après m'avoir fait les gros yeux, m'a dit de faire faire des duplicatas. Comment faire des duplicatas quand on n'a pas les originaux ?
conseiller d'aller voir mes anciens patrons et de leur demander des doubles. J'ai dit merci madame et je suis sorti. J'ai pas osé lui dire que tous mes anciens patrons étaient partis avec moi. Et qu'en plus, ils n'étaient vraiment pas du genre à donner des fiches de paye. Si ça les amuse, et si ça amène des commandes, moi, j'en ai pour une minute, juste le temps d'expédier le soi-disant nouveau modèle avec le soi-disant représentant. Il ne me plaît pas du tout, hein? Il est parti quand ? 43. Fin 43 ? Son date de disparition, c'est à quitter Drancy en mars 43. Ils disent pour où ? Dublin-Mandanet en direction de... Il avait quel âge ? 38 ans. On s'est marié tard, on a 10 ans d'écart. Il faisait plus ou moins ? Plus vieux ou moins vieux ? Peut-être un peu plus quand ils l'ont pris. Il était convalescent. Il était resté un moment prisonnier de guerre à Compiègne. Là-bas, il était tombé malade. Alors il l'avait relâché. En rentrant à Paris, il s'est fait faire des papiers à l'UGI pour être en règle. C'est drôle, parce que lui qui avait vécu en France des années sans papiers d'identité, là, il voulait être absolument en règle. À l'UGIF, ils lui ont donné une sorte de permis de séjour. Il n'était pas français, il était encore roumain. Enfin, apatride d'origine roumaine, ils ont dit. Il portait des lunettes ? Oui, mais pas tout le temps. Ses cheveux ? Il avait tous ses cheveux ? Un peu dégarni, peut-être, ça lui allait bien. Eh bien, dis-toi qu'il n'est jamais entré dans un camp. Arrivé de chaque transport, les survivants étaient séparés en deux groupes. Ceux qui allaient entrer au camp et les autres. Nous, on est partis à pied. Les autres, plus nombreux, sont montés dans des camions. Sur le coup, on les enviait. Ils n'avaient pas le temps de se rendre compte. Les camions les emmenaient directement en douche. Ils n'entraient pas dans le camp. On vous a dit pour les douches ? Comment vous pouvez être sûr ? Tout le monde dit qu'il va en rentrer encore, qu'il y en a partout, en Autriche, en Pologne, en Russie. Qu'on les soigne, qu'on les retape avant de les renvoyer chez eux. Et 38 ans, c'est pas vieux, pas vieux du tout. Qu'ils aient fait ce que vous dites aux vieux, à ceux qui ne pouvaient plus travailler, aux femmes, aux enfants, d'accord, on sait tout cela. Mais...
Et tu bois pas un verre? Attends, rentre pas toute seule, au moins on va te ramener. Elle est partie. Elle est cinglée, non? Qu'est-ce qu'elle a? Si elle voulait pas rester, allez le dire. Voilà, demande un extra aujourd'hui. Tu t'acceptes déjà. Tu veux de bon cœur? Non. Je l'aurais fait moi-même, cette malheureuse pièce. T'as vu ça? Bon, mais... Crameuse, va! Elle t'a dit quelque chose? C'est moi qui lui ai parlé. Ah bon? Ah bon? Tu veux du thé? Ou un verre de... Non, je vais rentrer aussi. Ah, pas question, pas question. Je tiens absolument. Plutôt un verre de... Hein? T'as bien fait. Moi aussi, je voulais lui parler depuis longtemps, mais... Si on pouvait se couper la langue... Ah, t'as raison. Si on pouvait se couper la langue... Un minimum de ressort dans la vie. C'est ça qui lui manque. Alors forcément, elle... Bon, je rentre. Attends, question, pas question. On va boire ensemble, hein. Sinon... Je voulais lui parler, moi. Si, si. Seulement, j'ai peur de mes mots. J'ai peur. Je prépare une phrase gentille, pleine de bon sens et de compréhension humaine. Et c'est un truc dégueulasse qui sort. J'avais une diarrhée verbale. C'est horrible. C'est toujours comme ça. C'est pas vrai? Si. Si, je me connais, là, je me connais. Léon, je t'en prie, arrête de boire. Moi? Mais j'ai rien bu. Ça suffit. Sur les étagères des ménagères allemandes. Dans leur réserve de savon noir. C'est là qu'il est. C'est là qu'il faut te chercher. Pas dans des bouquins, pas sur des listes, pas dans des dossiers. Ça suffit, t'es devenu fou, quoi. Elle a jamais eu le moindre sens de l'humour. Jamais. Qu'est-ce que tu veux faire? Une juive allemande. Oh. Chaque peuple a le loutre qu'il mérite. La vie,
de la Ligue d'Athère, madame. Voilà ce que vous êtes. Voilà que c'est fin. Je rentre. Bah, t'es pressé d'aller te retourner dans ton lit? C'est un peu. C'est pas bien, là. Pas de lumière. Et demain, c'est encore grève. Tu pourras rester au lit toute la journée. J'arrive pas à rester au lit le matin. Pourquoi? Ce sera grève aussi chez moi, tu sais. J'ai pris l'habitude. Je peux pas rester au lit le matin. C'est ça, buvons. Buvons. Buvons un coup, buvons en deux. Gueux compagnons de la Bourgogne. Buvons un coup, buvons en deux. Gueux compagnons de la Bourgogne. Bon, je vais me coucher. C'est ça. C'est ça. Cours en zone libre. Va. Va. Elle est partie. Elle. Rejoindre sa mère chez Pecno. Moi. Pas vous. Non. Je suis reste. Toute la guerre à Paris. Moi aussi. J'ai même eu des faux papiers. Richard. Je m'appelais Richard. Léon. J'allais partout. Des jours, j'étais moi avec étoile. Des jours, j'étais Richard sans étoile. J'ai même travaillé un peu sous ce nom-là chez un tailleur pour dames, dans le 16e. Un Italien. Les gens me disaient, faites attention, monsieur Léon. Même si je me fais prendre, ils me feront quoi? Un autre coup au cul? Personne ne savait à l'époque. Aveuglement. L'aveuglement. J'allais même jouer au rami dans un café avec des Arméniens. Et puis, fin 43, début 44, on commençait à dire partout qu'on nous prenait pour nous brûler. Commencer à avoir sérieusement les chocottes. Le moyen de partir en zone libre, on n'en avait même plus. Un jour, j'arrive à la maison, le concierge me fait signe de ne pas monter. Ils étaient là-haut, trois petits genoux avec des verres. Je les ai vus redescendre, déçus. Ils ont dit quelques mots, s'il vous plaît. C'est lui qui m'a planqué dans une chambre en haut. Il me montre un bouffé et des nouvelles. Je suis resté là. Volet fermé. Comme une tombe. J'attends. Et un jour. Toc, 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 toc. Qui est là? Qui est là? Monsieur Léon, ça y est! C'est la fin des haricots! Les frisés sont en train de se débiler! Alors, ça a explosé en moi. Formidable. Je me suis jeté dans la rue comme un vrai fou. J'avais nulle part où aller, remarquez. Je regardais les gens, les visages chauds. Ils avaient l'air heureux, bien sûr, mais comment dire,
allait d'une barricade à une autre barricade. À un moment, on m'a même collé un fusil. On me l'a repris aussitôt, soi-disant que je tenais à l'envers. Et voilà que je tombe dans un attroupement près d'un camion. Un tout jeune homme y montait, bras bien en l'air, main sur la tête. C'était un verre de gris rosé blond. Son regard a croisé mon regard et il va savoir pourquoi. J'ai eu l'impression que ce trou du cul m'appelait au secours. Les hommes, les fifis qui faisaient monter dans le camion, me bousculaient un peu pour se donner l'air plus militaire. Les femmes faisaient des plaisanteries. Et lui semblait me crier. Et toi, oui toi, toi qui as l'expérience, aide-moi, apprends-moi. Brusquement, je me jette vers lui en hurlant. Ich bin Jude, ich bin Jude, ich bin Nebelik. Alors, il a fermé les yeux et détourné la tête. Et il a été se cacher dans le fond du camion. Brusquement, la panique. Les femmes entraînaient leurs mouflets à l'abri des portes cochères. Un autre Allemand, aussi vite celui-là, et arrivez avec ça. Les fifis m'ont cerné. Le chef, tout en braquant sa mitraillette vers ma poitrine, répétait « Pas de pire, pas de pire !» J'ai essayé de rire. Un gargouillis misérable est sorti de mon ventre. J'ai dit le plus calmement possible, après avoir repris mon souffle, je suis juif, monsieur l'officier résistant. Je voulais qu'il sache que je suis juif et vivant. Voilà. Alors j'ai crié, je m'excuse! Le chef des fifis m'a regardé un instant sans bouger. Je voyais clairement dans ses yeux qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi j'avais crié. Et qu'il comprendrait sans doute jamais. J'avais peur qu'il me demande d'expliquer. Je me suis reculé. Il a fait enfin un geste et tous les fifis se sont jetés dans le camion. Magnifique. Le regard des autres continue à peser sur moi. J'écartais les bras. Je baissais la tête. Malgré moi, mon corps, tout mon corps s'excusait. J'avais beau me répéter que c'était fini, que j'étais de nouveau un homme libre. Rien à faire. Alors une voix, très ancienne de Verdun, a dit très fort en détachant chaque syllabe. Ici, en France, on respecte les prisonniers de guerre. Alors, mon gargouillis s'est fait plus sonore.
suis devenu transparent. Tu sais, comme l'homme invisible au cinéma. Et je les ai laissés entre eux. Entre gens qui respectent les prisonniers de guerre, les conventions de Genève, les conférences de l'Aire, les accords de Munich, les pactes germano-soviétiques et les croix. Toutes les croix. Et je suis rentré chez moi. Quelques jours après, la Bosch était de retour. Et on traça notre premier matin dans une espèce de feutrine, 8 cartons du bar. À ce moment-là, il n'était pas difficile. Tout s'arrachait comme de petits pains. C'était le bon temps. À part qu'on trouvait ni tissu ni fourniture. Et toi, comment ils t'ont pris? Ils l'ont pris. Au début, je faisais tout avec Hélène. J'étais à la presse, à la coupe, à la machine. Et Hélène travaillait à la main. Après, on a pris la femme du flic. Après, on est tombé sur la folle. Après, il y a eu un mécanicien qui nous a amené son cousin. Et puis, voilà. De fil en aiguille, comme on dit, je me suis retrouvé complètement dans la merde. Allez, je rentre. Je ne viendrai pas lundi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux ton lundi? Prends ton lundi. Profite. Comme les autres. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu chercheras un nouveau presseur. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire? C'est une augmentation que tu cherches? Bah, franchement, avec moi, pas de ça entre nous. Pas entre nous. Prépare mon compte. Je passerai dans la semaine me faire régler. Mais t'es fou, qu'est-ce qui va pas? Quelqu'un t'emmerde? C'est moi. J'ai dit quelque chose. On t'a fait chier? Non, non. Mais faut au moins que tu lui jures, on verra après. On n'est pas des sauvages, non? Alors, ça va s'arranger, on en reparlera. Mais quand j'ai le temps de me retourner, quoi. Non, non, c'est mieux comme ça. Mais t'es pas bien ici, t'es pas bien. Si, si, très bien. Allez, salut Léon. On m'avait prévenu. On me l'avait dit. Faut jamais commencer avec vous. Jamais. Vous êtes tous fous. Tous fous! Mais il n'y a pas que vous qui avez souffert, merde! Pas que vous! Moi aussi, j'ai fait des bassesses pour survivre! Pour l'instant, c'est encore moi qui commande à la maison. Qu'est-ce que vous avez répondu? Rien.
Elle était déjà sous le palier, je sais même pas si elle m'a entendu. Bah, ça me fait confiance pour cette gueulée. Ah bah, tu peux parler, toi. Vous savez, c'est normal à son âge de vouloir sortir. Quand on est marié, on peut encore moins. Vous aimeriez sortir dans votre état? J'ai pas dit ça. À son âge. Bah, figurez-vous que moi, à son âge, je sortais pas non plus. Et tu vois ce que ça donne? Bah, c'est vrai. Il faudrait que ta fille, elle vienne comme toi. Bah, je suis pas si mal. Y'a pire. Je suis pas en plein. Vous faites pas votre âge, c'est sûr. Merci. Sortir. Vous avez ce mot-là à la bouche? Moi, j'aime rentrer, là. Pour t'engueuler avec ton Jules. On s'engueule pas tout le temps. Ah bah, je vois ça d'ici. Oh, l'amour vache. Et la plus jeune? Bon, elle, sans problème. Ça la démange pas encore. Vous voyez, j'ai pas à me plaindre. Mais j'aimerais pas qu'elle passe toute la sainte journée comme nous à tirer l'aiguille. Ah non, non, non. Je m'excuse, hein, je le dis comme je le pense. Je préfère carrément qu'elle apprenne à coudre à la machine. On se crève moins, c'est mieux payé, et c'est un travail quand même plus intéressant, non? Mécanicien, c'est un métier d'homme. Dans la place où j'étais avant, il y avait des hommes et des femmes à la machine. C'est un métier d'homme. Pourquoi? Faut appuyer sur la pédale avec ses couilles maintenant. C'est agréable de discuter sérieusement avec vous. On voit tout de suite ce qui vous préoccupe. Les couilles? Ça me préoccupe pas plus qu'autre chose. Et au moins, j'avais cru comprendre, c'est tout. Oh, toujours des saletés. Oh, c'est pas des saletés, madame Laurence. Bien sûr, c'est comme tout. Faut les passer sous l'eau une fois de temps en temps. Oh. Et sinon, ça finit par sentir, hein? Vous pouvez dire à votre mari, quand il se lave le cul, il se rembourse les organes. Je vous en prie, ne me parlez plus, ne me parlez plus. Laissez-moi, je regrette d'avoir dit quoi que ce soit. Oh mon Dieu, mon Dieu. Pour les morts, pour les vivants, si on travaille pour les morts, je dis que ce vêtement
est un très bon vêtement pour mort. Seulement entre nous, un mort, on peut très bien se passer de vêtements. Non. On le jette dans un bout de chiffon, on le roule dedans, et hop, au trou. On peut même faire l'économie du bout de chiffon et du trou. Ça s'est déjà vu. Non. Si on travaille pour les vivants, il faut prévoir qu'un vivant sera inévitablement amené à faire certains gestes. Comme bouger un bras, s'asseoir, respirer, boutonner, déboutonner. Je parle même pas du temps de guerre où fréquemment le vivant, pour rester vivant, est obligé de lever les deux bras en l'air et en même temps. Non, je parle des mouvements ordinaires. Dans la vie ordinaire, de la confection ordinaire. Regardez cette pièce. Monsieur Max vient de me la retourner avec sur le revers un petit papier épinglé. Je vais vous lire ce qu'il y a sur le papier. C'est du travail pour les morts. C'est écrit en gros caractères. À peine un client a enfilé que la doublure de la manche, oui, Madame Simone, a craqué. Bon, je sais, c'est pas grave. Pas la peine de pleurer déjà. Ce sont des choses qui arrivent. C'est ce que le vendeur a dit aussitôt. Un poids trop lâche, un fut de mauvaise qualité. Passons. Ensuite, les boutons sont tombés un par un quand le client a voulu. Machinalement, alors le client a posé les yeux sur les boutonnières. Oui, Madame Mimi. Regardez aussi, boutonnière, faites main. Ben, qu'est-ce qu'elles ont? Ce qu'elles ont, on dirait qu'elles chient et qu'elles dégueulent en même temps. Voilà ce qu'elles ont. Puis il a levé les yeux et s'est aperçu dans la glace. Alors, il a arraché cette chose de son corps. Et il est sorti du magasin en courant. Et c'est
précipiter la tête la première chez la concurrence. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la concurrence. Vous savez, tous ces gens qui travaillent bien mieux et qui sont bien moins chers parce qu'ils ont moins de frais généraux. Dorénavant, mon atelier se consacrera exclusivement aux vivants. Et ceux-là, croyez-moi, ils en veulent aujourd'hui pour leur argent. C'est fini le temps où on leur collait la pire cochonnerie. Des vestes avec deux manches gauches, des pardessus qui se boutonnent dans le dos, etc., etc. Fini! La guerre est terminée depuis longtemps. Avec un peu de chance, il y en aura bientôt une autre. Qui sait? Ça va tellement bien partout. On n'est plus dans l'après-guerre, on est de nouveau dans l'avant-guerre. Tout est redevenu normal. On trouve de tout aujourd'hui. À tous les prix. J'exige maintenant un minimum de conscience professionnelle. Vous entendez? Un minimum! C'est pas l'endroit, c'est pas l'OSA ou le joint.
travail. Qu'on sorte de la marchandise impeccable. Qu'on puisse livrer et qu'on ne la renvoie pas entre les dents. À partir de dorénavant, plus personne pourra prendre une heure. Vous m'entendez? Une heure! Même si vos enfants crèvent, même si vos vieux pourrissent, même si vos maris éclatent, je peux le savoir, compris? Les courses, vous avez le samedi après-midi et le dimanche. Les bureaux sont fermés! Qu'est-ce que tu discutes avec lui, Pétasse? Qu'est-ce que t'attends au juste? Vas-y, cours vite, hein, je te raconterai la fin. Boutonnière.
Rammstein. In der Basse, wie sie sah sein Schein. Was zeig mir du Freudenstein? Was vermacht bin ich allein? Du tribunal civil de la Seine par ses motifs du tribunal dit et déclare monsieur décédé à Drancy. Pourquoi ils ont mis décédé à Drancy? Ils font comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ils font comme ça? Décédé à Drancy Seine le 3 mars 1943. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a glissé sur un trottoir et il est mort. Ils mettent au dernier endroit où le défunt laissait une trace légale. Là, c'est la date et le lieu de son départ pour. C'est pour que ce soit. Plus légal. La date de départ pour où? Pour où? Ils ne mettent pas que c'est une date de départ, ils mettent mort à Drancy, en quoi c'est tout? Sur votre acte de disparition, il y avait bien parti de Drancy-Seine le 3 mars 1943 en direction de Lublin-Magdenec. Les parents, pourquoi n'ont pas remis ça, simplement ça? Sur un acte de décès, on ne peut pas mettre en direction de. Pourquoi? Il faut être plus précis. Pourquoi? Il fallait refuser. Vous n'aviez pas accepté. C'était ça en plus. Vous n'aviez pas accepté ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tiens, lis. Qu'est-ce que c'est que ça? Lis. Très bien, très bien. Comme ça, elle n'aura plus à courir d'un bureau à l'autre. Elle pourra peut-être rester de temps en temps un peu assise, là. Lis jusqu'au bout. J'ai lu jusqu'au bout. C'est très bien, très bien. Tous les tampons y sont, c'est parfait. Il n'y a rien qui te choque. Qui me choque, moi? Mais tu crois que c'est la première fois que je vois un acte de décès? Que j'ai seulement entendu commande cet hiver que j'ai déjà vu de... Mort à Drancy. Mort à Drancy. Et alors, Drancy ou ailleurs? C'est un papier, non? Pauvre idiot, Drancy ou ailleurs. Mais si ça n'existe pas sur un papier, avec tous leurs tampons, leurs signatures du ciel, regarde, tribunal de la Seine, enregistrez-le, certifiez-le. Alors, personne n'est allé là-bas. Personne n'est monté dans leur wagon. Personne n'a été brûlé. Ils sont tout simplement morts à Drancy, à Compiègne ou à Pithiviers. Qui se souviendra d'eux? Qui se souviendra d'eux? On se souviendra. On se souviendra. Pas besoin de papier, surtout pas besoin de crier. Pourquoi ils mentent? Pourquoi ne pas mettre simplement la vérité? Pourquoi ne pas mettre brûlé vif dans les flammes? Un papier, c'est un papier. Elle a besoin de ce papier pour essayer d'obtenir une pension. C'est tout. Elle n'a peut-être même pas droit à cette pension. Certainement pas droit. Mais elle veut essayer. Elle veut courir et courir encore dans des bureaux. C'est plus fort qu'elle. Elle aime ça, remplir des dossiers, des fichiers, des papiers. C'est son vice à elle. Et ce papier-là lui servira à rien d'autre. À rien d'autre. C'est un papier pour obtenir d'autres papiers. C'est tout. Et ses enfants, comment ils seront? Ils verront mort à Drancy. Un point, c'est tout? Ils sauront. Ils sauront. Bien sûr, avec toi, moi, on sait, on se porte. Ceux qui devraient savoir ne sauront jamais. Et nous, on sait déjà trop. Beaucoup trop. Qui devrait savoir, selon toi? Les autres!
quels autres? Mais ne hurle pas comme ça. C'est un atelier ici. On est là pour travailler. Pour travailler, pas pour faire de la philosophie. Et toi, Range, qu'est-ce que t'as besoin d'étaler tes papiers ici? On ne donne pas de papiers ici. On travaille ici. Un point, c'est tout. Pas besoin d'acte ou d'extrait. Arrête de crier sur elle. C'est moi qui lui ai demandé. T'es quoi, toi? Juge! Avoué! Avocat! Ministre des anciens combattants et victimes de guerre! Tu veux tout régler, toi, avec ta langue, hein? Règle d'abord mes problèmes à moi. S'il te reste un peu de temps, après tu t'occuperas de ceux des autres. Quel problème tu as, toi? Moi? Aucun. Je suis heureux. Tellement heureux! J'en crève tellement je suis heureux! Quel problème j'ai, moi? Quel problème j'ai? Et qui se souviendra de moi, madame, hein? Qui se souviendra de moi? À ton avis, qui? Votre révolution, vous la ferez ce soir, à cette réunion-là? Je ne pense pas. Dommage. C'est une bonne excuse pour les voir en retard demain matin. Dommage. C'est juste une réunion pour discuter alors? Pour préparer? Non? Non. Pour une fois, ils ne peuvent pas discuter un peu sans toi. T'es un si grand chef que ça, que même discuter, ils peuvent pas le faire sans toi. Si vous avez l'impression qu'ils travaillent jour et nuit pour vous faire plaisir. Personne travaille ici pour me faire plaisir. On n'est pas mariés ensemble? C'est pas les places qui manquent? Je suis une vraie maladie.
Tous les presseurs veulent partir d'ici. Qu'est-ce qu'elle a cette table ? Elle penche ? Le fer est trop lourd ? À 5 heures. Je suis pas un sage assez souriant. Le vendredi, tous les vendredis, je réunion et je quitte à 6h30. Va, va, quitte, quitte. Que Dieu te garde. Tu sais quoi? On va se répartir les tâches. Toi, tu te réunis, tu t'occupes du bonheur de toute l'humanité. Et moi, je repasse ici cette nuit et je m'occupe de la livraison de demain. Là, ça va comme ça. Seulement une chose que je voudrais te faire remarquer gentiment. Moi qui viens réunion, révolution ou n'importe quoi, je dois livrer. Alors je livre. Mais vous, il y a des années que vous vous réunissez pour parler du bonheur et du changement. Et je vois toujours rien. Changement. C'est pour garder pas du bon côté. Mais tourne-moi comme tu veux, que je m'en fasse quelque chose dans ma vie. Ou donne-moi au moins une date. Le changement sera livré quel jour, et le reste de votre commande, la justice, le bonheur, etc., suivra dans les 30 jours. Monsieur Léon. Monsieur. Aïe, 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 aïe. Que j'aille tous les vendredis à cette réunion, et que vous ne puissiez rien faire pour m'empêcher, est déjà un grand bonheur pour moi. Il n'y a pas dit changement pour vous, non? Admettons. Au moins, n'oublie pas de leur dire que tous les ans, régulièrement, je t'achète un manoir ouvrier paysan. Et des lunettes pour la fête de l'humanité. Où je mets pourtant jamais les pieds parce qu'il pleut tout le temps. Je m'arrangerai pour le fusil l'an dernier. Ma femme aussi. Ma femme aussi. Merci. C'est bon de se sentir protégé. Simone, tu restes avec pas pour coudre les boutons. T'as pas réunion, toi, au moins. Avec moi.
à ma place. Ça vous changera et vous aurez un peu plus d'air. Il fait une de ces chaleurs aujourd'hui et avec ces tissus d'hiver en plus. T'as tes ours? Oh! Quand les gosses m'énervent, je préfère que ce soit elle qui pleure que moi. Et je te prie de croire, tiens, hier soir, la grande avait taché sa blouse, elle vient d'Annette. Souillon, que je lui dis, c'est toi qui la relaveras. Alors, bien sûr, son père a pris sa défense. Et ça a été des cris, hein. Eh ben, j'ai pleuré toute la nuit, eh ben, je te jure, ben, il y a des jours, hein. Quand ta gueule, hein. Mais quoi encore, je vais me prendre à compter. Exiger tout ensemble d'être payé à l'heure. Il hésiterait, on vous fait rester plus tard. Faut savoir se respecter, sinon... Moi, personnellement, je préfère être aux pièces. À l'heure, tu fais tes heures et le reste est payé en heure supplémentaire. On doit se sentir moins libre. Bah, surtout toi qui pisses toutes les 5 minutes. Moi, je pisse toutes les 5 minutes. Y a pas de honte, allez. Bah, de honte, j'y vais jamais, c'est tout. Mais en fait, c'était pas un reproche. J'y vais pas, j'y vais jamais. Bah, tu sors pourquoi alors? C'est pas moi qui sors, c'est les autres. Oh, c'est terrible, hein. On dirait qu'on vous accuse de feignant. Vous avez vraiment l'eau tiède dans la tête, hein. Eh, cours, Coco. Sinon, tu vas être en retard pour pointer. Bon, allez, maintenant, on est entre nous. Tu peux te déboutonner, là. Oh, mais elle va s'étouffer à la fin. Je veux pas t'allonger un peu sur la table de presse. Ça va aller. Tu veux que je te dise? Oh, dégueu. Fous-lui la paix. Un bon ramonage, temps en temps, de bas en haut, ça enlève les araignées et ça chasse les dilets noirs. Oh, parce que c'est pas agréable, hein. Un précédent qui comme ça, peut-être. Un bonhomme, ça lui ferait de la lessive en plus, un point c'est tout. Déjà qu'elle passe la moitié de la nuit à décrasser le linge de ses mômes. Oh, et les blanchisseuses, c'est pour les chiens. Mais elle a pas besoin de ça, je te dis. N'écoute pas. Si à dimanche, je t'emmène danser, tu te lèveras un bon petit. Tu peux être dégueulasse, hein, vraiment, il y a des jours, hein. Oh, mais ce qu'il lui faut, c'est quelqu'un qui l'aide, qui la soutienne. Prospère. Non, je veux dire quelque chose de durable. Ah ben ça, c'est juste. Plus c'est dur, plus c'est bon. Mais quand c'est mou, c'est pas mal. Et vous sentez mieux? C'est parce qu'il m'a pris, j'étais bien, j'ai eu comme l'impression d'étouffer. Ça c'est sûr, à la longue ça étouffe. Oh, oh ta gueule, laisse-la parler. Moi aussi des fois j'ai envie. Ça passe pas. Il y a comme... Bah comme quoi, pétard? Comme de la ouate, là. Comme un bout de ouate, là, qui... Ouais. Mais toi, t'as pas de raison. T'es heureuse, toi? T'as un petit mari, une petite maison, des petites filles? Bien sûr, bien sûr. Bah moi aussi. Moi aussi. Les gosses vont bien. Ils suivent bien l'école. Ici, on a du travail toute l'année. Il n'y a pas de morte aux saisons. Est-ce qu'il te manque? Ah, fous-lui la paix. Viens danser avec moi dimanche. Je dirai à mon Mickey que je dois aller voir ma mère. Comme il ne peut pas la blairer. T'es bête. Qu'est-ce que je ferai
auprès des gosses. Parce que même le dimanche, ils colotraient. Enfin, ma vieille, elle était pas dégourdie. Elle t'a les envoyé jouer au foot ou camper. Ah bah merci, pour qu'ils prennent froid, merci. Le dimanche, c'est leur jour. On va au cinéma. Tous les dimanches. Sauf quand il fait beau. Alors on se promène. En fin d'après-midi, on va se voir mon père. Chez les vieux. Oh. Avec les enfants. C'est bien, non? Oh. Bah dis donc, la charmante journée. Tu t'étonnes après. Quand tu sais que tu te changes un peu les idées, alors. Ici, avec vous. Ça va être de vrais chiffons. Ça part où? Belgique. Ça y est, j'ai fini. Devine ce qui m'est rentré. Pourquoi tu parles? Je touche trois as. Un roi noir, une dame rouge. Je demande deux cartes. Je jette le roi et la dame. Et devine ce qui me rentre. Est-ce que je sais, moi? Deux as. Deux as? Un as? Il y en a quatre en tout. J'en ai déjà trois. Pourquoi c'est pas Max qui fait cette expédition? Ben, j'ai le droit d'avoir mes propres clients sans passer par Monsieur Max. Je suis pas lié à vie avec Monsieur Max. Cartes. Oui, à la bataille avec les gosses. Carré d'as, la première fois de ma vie. Et il faut que ce soit avec mes propres mécaniciens. Ben, c'est fini maintenant. S'ils veulent jouer, on jouera sérieusement. On a plus l'âge de jouer avec 10 boutons. Et en plus, c'est mes boutons. Ah, ils prennent vraiment au cariste. Ah, j'en ai marre, j'y arrive pas. Les cartons sont trop petits. Laisse. Laisse. Je vais le faire. Faut que je fasse tout ici, c'est simple. C'est ça. Pourquoi c'est pas Max? J'ai le droit d'avoir mes propres clients sans passer par Monsieur Max. Je suis pas lié à vie avec Monsieur Max. T'es sûr qu'ils te paieront au moins? Pourquoi ils ne paieraient pas? Je te demande, c'est tout. Parce que j'ai eu quelques impayés, tu vas... RDA, c'est pas l'Allemagne, ça?
L'air est bon là-bas. Oui, oui, on dit ça. Ils sont très contents. Vous les avez prévenus, moi? Léon? Moi, j'ai rien dit. Justement, je dis pas. C'est terrible. Elle sait tout à l'avance. Enfin. Je ne voulais pas les envoyer là-bas, mais je me suis dit, après tout, si c'est la fédération qu'organise... Vous avez bien fait, c'est très sain comme climat. Ouais, ouais. Le grand m'a écrit qu'on les avait emmenés en autocar visiter Ravensbrück. Mais pourquoi tu fais ce carton maintenant? Tu veux que ça reste froissé toute la nuit, hein? Tu m'as dit que ça devait... Tu m'as dit que ça devait être prêt demain matin à l'aube. J'ai fait rester six mois exprès. Je le ferai demain, laisse. Demain, non, pas tant. Laisse, je te dis. Non, j'ai commencé, je finis. T'es dur, hein? Vous allez vous coucher maintenant? Oui, enfin, je rentre. Vous profitez pas un peu que les gosses sont en vacances? Léon? Quoi? T'arrêtes? J'ai rien dit. Elle n'est pas d'âge de... Faut lui parler comme à une jeune fille, par sous-entendu. Vous savez, le soir, j'ai toujours des choses à faire à la maison. Et puis... Il se rend pas compte. Il se rend compte ici. C'est vous qui vous rendez pas compte? Si vous ne profitez pas que les gosses sont pas là, pour sortir, voir du monde, faire des connaissances, comment voulez-vous refaire votre vie? Hein? Comment? J'y tiens pas du tout, monsieur Léon. Je suis très bien comme ça. Très bien. Asseyez-vous. Depuis que c'était un type déjà remarié, justement grâce à cette Madame Fanny. Comme il ne se trouvait pas assez bien logé chez sa nouvelle femme, il cherchait un appartement plus grand. C'est pour ça qu'il avait demandé à visiter le mien. Vous savez ce qu'il a dit en partant? C'est un trois pièces, mais c'est un petit trois pièces. Je n'en regrette pas. J'y tenais pas du tout. Et puis d'abord, je crois que même si je voulais... Je pourrais pas. On dit ça
C'est pas tous des salauds. Il y a des hommes bien qui cherchent quelqu'un. Les enfants sont trop grands. Ils seraient trop malheureux. Ils ont pris l'habitude d'être des hommes à la maison. Et puis, vous savez, quand je me suis mariée avec mon mari, c'était déjà un mariage arrangé. On nous avait présenté. Je dois dire que je suis bien tombée. J'ai jamais eu à me plaindre. C'était un bon mari. Mais aujourd'hui, il faudrait que ça se passe autrement. Sinon, je crois que je ne pourrais pas. Quand le type est venu à la maison, d'abord, je l'avais vu une fois chez la personne qui me l'avait présenté. Mais quand il est venu à la maison... Comment il était ? Il avait un peu la gueule de travers. Mais il n'était pas si mal. C'était un homme qui avait eu des malheurs, beaucoup de malheurs. J'ai eu du mal à ne pas éclater de rire devant lui. Quand il a eu le dos tourné, on a eu une crise tous les trois. Le petit s'est mis à l'imiter. Il nous a fait toute la visite de l'appartement avec les commentaires. Le type avait un peu l'accent yide. Le petit l'imite tellement bien. Mais on a ri. On a ri. Non. C'est trop compliqué. Et puis, vous savez, je suis bien comme ça. Je me sens libre. Et je ne pourrai plus. Bon. Bonsoir. À demain, bonsoir. Moi, je disais ça. Je le ferai demain. Il faut un carton plus grand. Je veux ma marchandise. Je ne partirai pas sans le reste de ma marchandise. Dès que c'est prêt. Je sais. Vous mettez tout dans un taxi. Mais rien n'est prêt, là. Rien n'est prêt. Voyons, monsieur Max, tout ce qui était prêt, on vous l'a déjà livré. Que des 40. Vous ne m'avez livré que des 40. Ça ne me sert à rien que les 40. Léo. Caché sous les tables maintenant ? Je me cache, moi. Pourquoi je n'ai qui se cache ici ?
Pourquoi je me cacherais chez moi dans ma propre maison? Je me suis assez caché dans ma vie. Merci. Mais c'est formidable! J'ai plus le droit d'aller sur mes propres tables maintenant! Léon, pourquoi vous m'avez dit ce matin au téléphone que vous mettiez le reste de ma marchandise dans un taxi et que ça allait arriver d'un instant à l'autre? Moi j'ai dit ça! Moi j'ai dit quoi que ce soit au téléphone! J'ai le temps de répondre au téléphone! Non, pas vous, votre femme! Réel, pourquoi tu dis des choses pareilles? Bon, n'en parlons plus. J'ai des clients qui attendent, moi. Il faut que je sache. Je les fais traîner depuis le mois dernier. Le mois dernier! Ce matin, il y en a un qui est venu au magasin. Il s'est installé sur un pliant et il ne veut plus bouger sans le reste de sa commande! On va pas comme ça attendre les uns chez les autres, on aura bientôt plus de travail! Mais madame, lui, dans sa boutique, il a aussi des clients qui attendent, soit pour un mariage, soit pour un enterrement. On ne peut pas faire attendre indéfiniment. Quand on promet pour une date, il faut s'y tenir. Léon, fais quelque chose! On a toujours travaillé la main dans la main, non? Oui, mais c'est toujours la main à moi qui travaille! Je te jure que si tu ne me livres pas tout ce soir, tu entends tout, eh bien c'est fini entre nous! Fini! C'est fini? Bon alors c'est fini. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pleurer? Me pendre? Ah Léon, si un jour j'ai un ulcère? Une part d'un ulcère. Mais j'en ai deux, moi deux. Et une gastrite. Bon, ça suffit. J'accepte tout, tout. Excepté la mauvaise foi. Où est la mauvaise foi? Je suis pas plus malade que lui peut-être. Mais si vous vous organisiez un peu mieux là aussi, au lieu de travailler encore à la juive. Oh, je vois ce que c'est. Il veut nous coller un organisateur gérant à rien. Avec plaisir qu'il vienne. Cette fois, je laisse les clés et je cours en solide sur la Côte d'Azur. Pourquoi je n'ai eu que les 40? Chez moi, c'est comme ça. Tout ou rien. Mais ce n'est pas valable, ça. Si je n'ai pas un peu de chaque taille, moi, je ne peux pas livrer. Je ne peux pas. Vous croyez que je garde votre marchandise chez moi par vice? Hein? Livrer, livrer. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme but dans la vie? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voyons, monsieur Max, on va faire le maximum. Le maximum? Regardez! 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 Toutes les déprimées, toutes les instables, toutes les nerveuses, et même les révolutionnaires viennent poser leurs fesses sur mes chaises et font semblant de travailler. Toutes elles ont un père, un frère, une sœur, une mère, des enfants, un mari. Ça tourne de roule, ça naît, ça meurt, ça tombe malade. Mais qu'est-ce que j'y peux, hein? Qu'est-ce que j'y peux? Chez moi, on ne meurt pas chez moi, on ne naît pas chez moi. Il me manque deux magasiniers et mon comptable veut devenir chanteur. Il répète dans mon propre bureau, il me rend fou. Et moi, je dois livrer pièce par pièce, courir après la marchandise que l'on me donne au compte-goutte, tenir les livres de compte, faire les factures, les expéditions pour la province. Bien sûr, mais vous au moins, vous dormez la nuit. Moi, je dors la nuit. Dès que je ferme les yeux, celle-là me pousse des coudes. Tu dors? Non, bien sûr, et ça y est, c'est parti. Et tu te souviens, celui-là, celle-là? Et comme par hasard, ils sont tous morts. Et vous savez comment? Alors, elle me parle d'eux, et puis après, elle pleure. Elle pleure, mais après, elle s'endort. Et moi, c'est fini. Fini! Je ne peux plus dormir. Je me lève, je vais dans la cuisine et je hurle. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les morts. Les morts sont morts, non? Et ceux-là, mille fois plus morts que les autres morts. Puisqu'on les a même pas. Bon, il faut penser aux vivants, non? Et par hasard, le seul vivant proche qui lui reste, c'est moi. Moi. Et elle, elle me tue la nuit, pendant que les autres m'assassinent le jour. Quel rapport avec ma marchandise? Tu parles de marchandise ici? Qui? Léon, je t'en prie. Mais regardez-le! Regardez-le! Oh, ça fait mal. Mais ma parole, mais il va me faire le coup d'ulcère. Mais si j'avais que des ulcères, moi, j'irais danser toutes les soirs dans les caves, le swing! Léon, sérieusement, parlons d'homme à homme! C'est ça, parlons. Qu'est-ce que c'est au juste que votre tissu, hein? Spécial, synthétique, pur chimique. C'est ça que vous vouliez pour faire plus chic, hein? Vous croyez que je sais pas d'où il vient? Il vient de Suisse! C'est ça, c'est ça. Il passe par la Suisse.
traverse la Suisse. Qu'est-ce qu'il veut dire, là? Je ne suis deux mois avec eux. On sera livrés à l'heure. Jamais un train. Jamais un convoi de retard. Les meilleurs convoyeurs du monde. Seulement pour nous, vous et moi, monsieur Max. Le tissu est en retard. Tant pis. Je ne dis rien. Je ne m'énerve pas. Surtout pas s'énerver avec ces gens-là. Et quand leur tissu magique pur chimique arrive. Une fois coupé, une fois monté, il a sa vie à lui. Il fait ce qu'il veut. Demandez-leur. Demandez-leur. Mettez le fer dessus. Mettez-le à sec. Il durcit comme une planche. Il rétrécit en largeur. Humide. Il rétrécit en longueur et devient aussi souple et agréable qu'une éponge. On l'accroche. Il s'allonge. Il poche. Il lustre. Mais dites-lui, dites-lui. Dis-lui, toi. Et moi, je dois voir tout ça et l'organiser. 50% fibrane, 50% polyamide, le dernier cri de la technique moderne, le dernier cri. Le dernier cri, oui, oui. Qu'est-ce qu'ils ont là-bas en stock? Des tonnes et des tonnes. Des cendres et des cheveux. Oui, monsieur, pas la peine de bouger les épaules. Des cheveux. Des montagnes de cheveux. Et qu'est-ce qu'il dit, là? Qu'est-ce qu'il dit, hein? Tiens. Oh, Léon. Oh, ça... Léon. Oh, arrête. Et c'est à 5h du soir que tu viens me le dire! Vous ne pouvez pas venir avant, j'étais à l'hôpital. Et ton frère? Il était à l'hôpital aussi. Ah bon? Vous êtes pas là tous les deux ensemble maintenant, ben bravo! Non, c'est maman. Oh, elle est à l'hôpital? Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne tient pas debout. Elle s'est levée ce matin pour aller travailler, mais elle ne tenait pas debout. Alors mon frère est allé chercher un docteur. Le docteur a dit qu'il fallait l'envoyer à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont dit qu'ils allaient regarder en observation. En observation? Mais vous voyez, qu'est-ce qu'on y peut? C'est ça. Je vais aller dire à mes clients qu'ils aillent dire à leurs clients qu'ils n'auront pas leur costume pour se marier, pour aller danser, parce que l'une de vos ouvrières est en observation à l'hôpital. Et toi, qu'est-ce que t'attends? Téléphone, passe une annonce. Demande une finisseuse qualifiée, sans famille, sans enfant, ni veuve, ni mariée, ni divorcée, ne faisant pas de politique et en bonne santé. Là, peut-être qu'une fois, j'aurai la main heureuse. Et vous, là? Qu'est-ce que vous avez à être comme des mouches autour de ce gosse? Vous êtes là pour travailler? Oui ou merde? Alors travaillez! Travaillez! Non mais regardez, on dirait que je n'ai pas déjà à l'heure! Bon, Léon, sérieusement! On parle pas de là. Que la commande de monsieur Max soit prête à livrer. Réunion ou pas réunion. Des enfants. Hein, faudra l'aimer bien fort, ta maman. Toujours. T'es gentil avec elle au moins. Laissez-la donc un peu. Dis donc, mon chéri, t'en as d'un beau manteau. C'est celui que les Américains t'ont envoyé.
Il est pas beau, c'est un petit fille. Oh. Ah oui, c'est vrai. Il boutonne dans l'autre sens. Ça fait rien. T'es bien bon quand même. Je l'aime pas, c'est un petit fille. Oh. Ils sont quand même bien gentils, les Américains, d'envoyer des manteaux aux petits Français. J'aime pas les Américains. Ah, pourquoi mon lapin? Je suis pas un lapin. J'ai une amuse. Les Américains veulent la guerre. Oh, 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 oh. Bravo. On t'appelle, je te ferai un bonbon. J'aime pas les bonbons. Oh. Merci, parce que je me sauve. Dis à ta mère qu'elle revienne vite, hein, qu'on ira la voir. T'es déjà un trop grand monsieur pour embrasser les dames. Tu pourrais faire la bise en partant. Tiens, prends ça. T'achèteras quelque chose pour ton frère aussi. Elle se plaint d'où, ta maman? Elle se plaint pas. Elle tient pas debout. Elle pleure toujours autant. Maman, elle pleure jamais. Elle pourra bientôt revenir travailler. Mon frère et moi, on travaillera. Elle n'aura plus besoin de travailler. Jamais. Et moi, on m'embrasse pas? On s'embrasse pas encore. Hervé Houssin. On remercie aussi notre technicien, Denis. Pour le décor, les maquilleuses, les coiffeuses, enfin la coiffeuse, et puis bah, voilà, tout ce petit monde-là qui sont derrière, les conjoints, etc. La municipalité qui nous a prêté aussi la salle, voilà. Ce soir, on joue aussi pour l'association de L'Aime Petit Pas, celui-là. Oui, donc comme disait Waddle, Fabrice, c'est Waddle pour nous, c'est un grand footballeur. Ce soir, on jouait pour l'association, donc un petit pas, donc Lucas et Marius,
Si vous voulez des infos, les personnes de l'association sont là, donc c'est pas mal si vous voulez échanger un petit peu avec eux, savoir pourquoi et ce qu'ils font exactement, parce que c'est vraiment aussi une belle leçon d'humanité. Donc je vous engage vraiment à aller discuter avec eux, parce que pour les petits bouts de choux qui ont besoin, il faut le faire. Que même Petit Pas va pas s'arrêter simplement ce soir, parce que je crois qu'au mois de mai, c'est-à-dire pendant le week-end de l'Ascension, il va y avoir également une journée tout entière avec toute l'association d'Empoigné pour cette association. Donc voilà, je vous encourage vraiment à les aider. C'était la dernière, donc je voudrais demander quand même à Pascal, s'il est là. Pascal, c'était notre chef décor avec Didier. Ils ont fait vraiment du bon boulot. Ils ont brossé, ils ont poncé, ils ont peint, enfin, ils ont tout fait. Nous, on était là plus pour les emmerder. Ah, excusez-moi. Non, on les approvisionnait. Voilà, on ne dira pas ce qu'on les a approvisionnés. Donc je remercie toute l'équipe. Je voudrais remercier aussi... il est présent ce soir, donc Jacques Morin du Carré, qui nous a vraiment dépanné pour la lumière. Donc, je voudrais vraiment un grand merci à toi, Jaco. Merci Florence. Florence, Marina, Seb, Pascal, il y avait Didier, enfin, tous les buvettiers qui nous ont approvisionnés en rouge chaud, il était vachement bon. Un tout petit peu de triple sec en plus, je pense que ça serait pas super fait à toi. Voilà, ça c'était vraiment pour l'estomac. Enfin, je voudrais terminer, je voudrais vraiment remercier, rendre un hommage ce soir à tous les comédiens, les filles, Maud, je vais essayer de ne pas oublier, Maud, Nelly, Florence, Christelle, Géraldine, les garçons, donc il y avait Jaco, Maxence, notre mascotte. On va finir. Et enfin Nadine, mon épouse, je vais vraiment terminer. Nous ont rejoint vraiment dans les derniers mois. On a eu un souci de comédienne. Donc elles sont arrivées au mois de septembre. En fait, je voudrais aussi remercier les comédiens et les comédiennes de m'avoir supporté pendant un an. Un an et demi. Oula. Pour certains, je les ai martyrisés. J'ai pu leur faire répéter 15 fois la même phrase. À la fin, ils ne savaient plus où ils habitaient. Donc voilà, je voudrais vraiment leur tirer un grand coup de chapeau ce soir. Merci. Pour finir, je voudrais vous remercier, vous public, parce que sans vous, on ne serait pas là ce soir. Merci de nous avoir supportés.